En ce qui nous concerne, le monde du comics moderne commence en 1938 avec l'invention de Superman par Siegel et Schuster. Un an plus tard, Bob Kane se fend de Batman, l'inverse même du Superman, car si l'un représente des idéaux de lumière, l'autre représente des idéaux obscurs. Et en 1941, l'Amérique s'est dotée de son symbole le plus puissant, le Captain America de Joe Simon et Jack Kirby, dont je vais vous parler aujourd'hui par le prisme du second film tiré de ses aventures solo par Marvel Studios. Ce sera donc question de bagarre, de bien, de mal, et de la responsabilité de chaque citoyen à essayer de faire éclore sur la planète, non pas nécessairement la justice, mais la liberté. Car ce sont là les idéaux dont il sera question dans ces épisodes de Critique en Cinémascope, l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Il y a un angle philosophique que je voudrais que vous mettiez en tête et qui va rester maintenant, pour vous, dans votre cerveau, la source d'une grande compréhension de plein de choses dans votre vie quotidienne. Déjà, il faut savoir qu'un personnage de fiction existe par rapport à l'époque dont il sort. Est-ce que ça fait sens ? Évidemment que ça fait sens. Robin des Bois, comme personnage, c'est un personnage qui est venu pour parler à la paysannerie d'à quel point il se faisait baiser par leur propriétaire terrien, par exemple. Un personnage comme Oliver Twist, admettons, c'est le moment où tout d'un coup Dickens se rend compte que décidément il y a un nouveau type d'asservissement et d'esclavagisme urbain, c'est celui de ces gens qui sont obligés de faire un travail de merde pour survivre dans une ville qui les tue, qui les empoisonne à petit feu. Or, un personnage comme Superman, pour retomber sur le domaine du comics, c'est la représentation de la volonté de Siegel et Schuster, qui étaient des exilés européens, de se former à l'idée qu'ils vont être capables à se plier et donc à s'intégrer, au sens intégrationniste du terme, au système américain qui les entoure. Batman, par exemple, c'est la représentation d'idéaux qui font que décidément, quand la dépression va mal, que les gens sont dans la merde dans leur vie, et que la terrible criminalité est autour de vous, qu'il est parfaitement légitime, même si vous n'êtes pas appointé par une quelconque forme de légitimité populaire, de faire des petits travaux de vengeance. Remarquez aussi que Batman ne va jamais jusqu'au point où il devient le vigilante tueur, ce qui lui donne un peu cette fibre morale qui rend que ses activités soient judicieuses. Pour le plaisir, Spider-Man par exemple, c'est le mec, il n'avait pas de responsabilité. Puis après, il a eu des responsabilités, et ces responsabilités lui ont tué son oncle Ben, et vu qu'il adore le riz, c'est très grave, et tout ça, tout ça. Donc, Steve Rogers, l'avorton qui un jour, par l'utilisation d'un sérum super qu'il transformera en super soldat, deviendra Captain America, c'est quoi comme mythe ? C'est le mythe de le petit gars qu'il a été toute sa vie battu par des gens qui étaient vachement plus forts que lui, qui soudain devient fort, mais vu qu'il était quelqu'un de bien à la base, il devient pas un monstre comme les gens qui l'ont persécuté, non, il devient celui qui va se débrouiller pour que personne ne soit persécuté. C'est ça la beauté d'un personnage comme Captain America. Captain America, c'est donc des idéaux. C'est les idéaux de l'Amérique qui se bat contre Hitler et les nazis. Et ça, pour l'histoire de l'univers. Je veux dire, vous pouvez changer quoi que ce soit avec Captain America, vous ne pouvez pas changer le fait qu'il sort de la Seconde Guerre mondiale, car c'est lui qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale dans l'univers Marvel. C'est lui qui est venu péter la gueule à Hitler dans son bunker, et c'est ensuite pour ça qu'il s'est suicidé. Je veux dire, il était là, « Ah non, j'ai été battu par un personnage fictif, hein, je fais me tirer dans le bal avec mon loup-cher. » Et donc on se retrouve ici avec un personnage qui certes a beaucoup évolué à travers le temps. Je veux dire, il est apparu en 41, à un moment où les Américains se sont dit que décidément il était temps qu'ils agissent, qu'ils aillent se battre là où ils avaient mis tant de temps à agir dans la Première Guerre mondiale. Et il est certain que par d'autres moyens détournés, la Seconde Guerre mondiale a beaucoup rapporté d'argent à l'Amérique. On n'est pas là pour parler de ça du tout. Non, on est ici pour parler d'un personnage qui, avec un frisbee en vibranium, se bat contre des méchants, 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 qui sont méchants, méchants. Pas de réflexion particulière dans ce niveau-ci. Simplement disons ceci. Captain America de Winter Soldier, ou pour nos frères québécois, Capitaine America, il n'y a pas de « et », le soldat de hiver,
Eh ben, c'est un film qui est plutôt bien réalisé. Vous savez certainement, vous avez vu Game of Thrones, l'hiver arrive. Et c'était lui, c'était le soldat d'hiver. Alors, le soldat d'hiver, pour peu que vous ayez lu les comics, vous savez très bien que c'est Bucky Barnes, l'ami de Captain America. Or, ce qu'il y avait de bien dans les comics, c'est qu'il a mis à peu près 40 à 50 ans à ressortir de l'ornière, le soldat d'hiver. Or, chez nous, c'est premier film. Il y a un mec qui s'appelle Bucky. Salut Bucky, ça va? Ouais, ça va super, on va être potes toute notre vie. Ah non, je suis en train de tomber d'un train. Et épisode 2. Oh non, Bucky, c'est toi? Et t'es là, ok, mais il fallait 50 ans de narration entre les deux pour que cet arc narratif-là soit réellement efficace. Or, ici, on se retrouve avec une narration télescopée qui fonctionne pas si mal. Il faut penser que c'est un système épisodique. Donc, dans le futur, Steve Rogers, le survivant de la soldatesque, la légende vivante du monde de l'infanterie, est venu dans un futur qu'il ne comprend pas essayer de défendre toujours les fameux idéaux de liberté qui sont celles qui lui ont été inculqués dans l'idée qu'il était un petit gars des années 40 et tout ci, tout ça. Dans le futur, évidemment, on vit dans une époque où, vous savez, Barack Obama, les drones, la NSA, et on a fait des efforts pour snooper sur vos informations, même quand ça ne s'appelle pas Doggy Dog, et on a donc des réels problèmes de en quoi peut-on faire confiance à notre gouvernement alors que notre gouvernement liberticide fait des efforts et qu'il nous voit comme des terroristes potentiels. Et c'est là que Captain America, bien entendu, est là pour représenter les idéaux d'une Amérique qui a peut-être oublié ses idéaux. Une Amérique qui a certainement peut-être oublié ses idéaux, mais qui peut faire confiance sur un personnage fictif, hein, bien entendu, pour lui rappeler de quoi il est question. Donc ici, l'idée, c'est qu'il y a des problèmes dans le SHIELD. Le SHIELD n'a pas bon. Et dans une terrible, terrible aventure, quelqu'un va essayer de faire passer Nick Fury pour mort. Mais pourquoi et comment? Et pourquoi est-ce que ça a à voir juste au moment où ils sont en train de lancer 3 hélicarrières pour faire le tour de la planète et tuer les méchants méchants qui sont peut-être des terroristes pour peu qu'on le regarde posément? Et c'est ça votre scénario, en gros. C'est un scénario qui est très basé sur les comics, parce que Captain America, qui cherche son idée de ce que c'est l'Amérique dans un monde dans lequel, oui, il est d'accord que décidément ce ne sont plus les mêmes valeurs qui prévalent, c'est un truc qu'on a vu dans les années 60, quand il est sorti de son iceberg pour rejoindre les Avengers, c'est un truc qu'on a vu dans les années 70, quand Nixon était au pouvoir, dans les années 80, quand Reagan était au pouvoir, que donc c'est le ultra-méga-capitalisme qui était en train de mettre l'Amérique au sol. Et bon, je ne peux pas nécessairement dire que dans les années 90, avec Clinton qui faisait sucer la choupa choups par son interne, il a eu le problème de devoir sortir pour dire non, les gens ne peuvent pas se faire sucer la choupa choups par leurs internes. Mais toujours disons ceci, c'est un angle narratif très Captain America. Est-ce que celui qui vous est proposé ici par la terrible équipe de Christopher Marcus et Stephen McFeely? Parce que les scénaristes qui ont fait ce film, paradoxalement, sont responsables d'un de mes films favoris qui s'appelait The Life and Death of Peter. C'est-à-dire qu'ils ont aussi fait le scénario de Narnia, mais ça, on leur en voudra pas. Donc, c'est un film qui est réalisé sur un scénario qui est léger, hein, mais qui se laisse faire, qui a plutôt tendance à ne pas être un film de super-héros. Il n'y a pas vraiment de super méchant dans ce film. Je veux dire, il y a JSP dans le rôle de Bartok. Il semblerait que ce soit genre, il paraît que c'est important d'avoir un mauvais acteur, que c'est en fait un type qui fait de l'UFC qui joue Bartok. Ou Batroc, Batroc the Leaper, vous savez, c'était un mec, il était super doué en... Vous ne connaissez sans doute pas les comics, pourquoi est-ce que je me fatigue à avoir un échange intéressant avec vous? Toujours est-il que c'est un film d'espionnage, et pas réellement un film de les super-héros du coup de poing dans la gueule. Et c'est assez intéressant à voir, ils ont la possibilité maintenant dans l'univers Marvel à faire différents types de films. Il semblerait que Guardians of the Galaxy et peut-être Ant-Man aussi seront plus des comédies de super-héros, ce qui fait déjà peur à se dire en tête, mais simplement on peut se dire ceci. Dans ce film-ci, ce qui compte, c'est un peu la narration et c'est le sentiment de Steve Rogers est en train de perdre son pays. Comment peut-il être la manifestation, la personnification même d'idéaux qui ne sont plus représentés par la démocratie qu'il est censé défendre? C'est ça la question. Alors d'un point de vue technique, c'est un film réalisé par des tâcherons totaux. Des tâcherons totaux. C'est-à-dire Anthony Russo et Joe Russo, les frères responsables de films de merde comme You, Me and the Pre. Mais c'est ça qui est beau avec Marvel Studios, c'est qu'ils n'ont plus besoin de réalisateurs. Ils ont besoin de gens pour coller au scotch toutes les séquences qui ont été réalisées par leurs techniciens. Donc finalement, ça fonctionne assez bien, voyez-vous. Donc vous avez évidemment un film avec des performances de Chris Evans, Scarlett Johansson, Nick Fury, je veux dire Samuel L. Jackson, et ici Robert Redford. Alors Robert Redford, évidemment, c'est un peu genre l'acteur vétéran de la chose qui donne tout son suc au film. Et c'est réellement un très bon acteur, Robert Redford. Il est encore très beau à son âge, paradoxalement. Et je sais que
c'est triste à dire, mais aussi en super état physique pour un vieillard de cet âge-là, c'est fou. Donc, vous avez des performances qui sont efficaces, vous avez des trucs pour Guy, comme la présence d'Arnim Zola, le grand évolutionniste, et certainement, vous avez certainement envie, certainement, d'aller voir le film, parce que c'est un film qui est d'un style totalement différent que le ta-ta-ta-ta-ta-ta qui vous était présenté par le premier. C'est plus un film qui va dans cette espèce de truc un peu simili-réactionnaire à 12 balles de « c'est l'Amérique, les méchants, mais tout d'un coup, quelles sont les fédérations dans l'idée de la chose, de le cerveau, de l'Amérique ?» Que se passe-t-il dans l'esprit de leurs dirigeants et blablabli, blablabla. Et l'un dans l'autre, c'est un film qui est parfaitement acceptable. C'est un film qui n'est pas un grand film, parce que, admettons-le, les films de super-héros ne sont pas des films artistiques de haute qualité, mais ici, tout fonctionne. C'est plaisant à voir, pour peu que vous ayez lu quelques-uns des fascicules de la bande dessinée de base, vous pourriez avoir plaisir à reconnaître un personnage qui est définitivement Captain America, et non pas une approximation. Je veux dire, c'est le Captain America qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est pas juste un mec qui joue Captain America, qui fait Captain America. Ils ont fait l'effort pour que les idéaux du personnage soient bel et bien là dans le film, et c'est réellement plaisant de voir qu'ils ont fait tous les efforts nécessaires à ce que les fans des comics ne soient pas floués. Ce qui est très plaisant à voir quand finalement c'est l'inverse chez DC quand même, malgré tout. Donc, c'est un film, je vous le recommande, ce n'est pas un très grand film, c'est certainement un film auquel on prend plaisir à aller voir de l'action, et de la musique, et des moments drôles, et des moments tristes. Et c'est un film qui est relativement bien foutu. Paradoxalement, ce n'est pas un film dont on pourrait dire que sa réalisation est exemplaire, mais comme vous le savez maintenant, les studios Marvel ont des techniciens qui seront débrouillés pour que le film ait de la gueule, ne vous inquiétez pas. Donc, ça c'était un épisode de critique en cinémascope, en émission de cinéma. Il y a d'autres épisodes, vous me feriez plaisir si vous alliez les voir. Il y en a un sur le remake de Robocop, et un autre sur le premier film Twilight, qui était de l'autre époque où finalement c'était un autre système de critique en cinémascope. Alors je vais vous parler maintenant, quelques instants, d'un truc qui pourrait vous intéresser. Si vous suivez ici cet incroyable code QR, ou QR code pour peu que vous soyez américain, vous serez propulsé par la magie téléphonique de l'internet sur ma page Bandcamp, où vous pourrez, dans le futur, trouver des commentaires cruels, c'est-à-dire des commentaires de films réalisés par moi-même dans un état d'ébriété assez avancé. Donc si vous avez envie, vous pouvez aller télécharger 4 fichiers, c'est gratuit normalement, et vous aurez la possibilité, évidemment, si jamais ça vous plaît, de me donner de l'argent, parce que tout travail mérite salaire, et l'intégralité de ces vidéos sont gratuites. Or, nous avons besoin d'argent, ni les mois, pour financer le futur de Pushta, et vous pourriez, en tant que responsable spectateur des masques, dire que vous allez peut-être mettre shting, un petit euro sur la table afin que l'aventure continue. Peut-être. Donc ça, c'est sur commentairecruel.bandcamp.com, ou alors vous suivez ce code QR. Je vous dis à dans 2 semaines pour Critique en Cinémascope, l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Je le fais de mieux en mieux, je dois dire.